Jésus est le roi. Jésus est le roi. Le roi des rois. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Ce matin, il y a une bonne nouvelle pour toi. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. Qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Il y a un créateur qui est au-dessus de nous, mes amis. Et il vous aime ce matin. Il veut sauver ton âme. La chose la plus importante pour un homme, c'est de savoir où il va après la mort. Et j'aimerais te dire que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui, mes amis, ne périsse pas. Jésus est venu mourir pour tes péchés, tes mensonges, tes avortements. Il veut te pardonner ta fornication, mesdames et messieurs. Le problème des humains, c'est le mal, le péché. Voilà pourquoi beaucoup périssent. Beaucoup périront, mes amis. Ce matin, je vous aime. Et ce n'est pas une religion que je t'annonce. Parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève étaient dans la nature. Ils adoraient Dieu avec leur cœur. Mes amis, voilà ce que Dieu veut. C'est vos cœurs, pas vos religions. La preuve, tu mens toujours. Tu trompes ta femme. Tu dis des gros mots tous les jours. Tu frappes tes enfants. Tu violes tes enfants. C'est pas ça qu'on est Dieu, mes amis. Le véritable Dieu s'appelle Elohim. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Il veut te délivrer de la cigarette. Fumais-tu? Et Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans pour sauver les fumeurs, les masturbateurs, toi qui aimes les films porno. Voilà votre état, les humains. Si vous mourrez comme ça, mes amis, vous n'irez pas au paradis. Le royaume de Dieu est sans péché. Moi qui te parle, avant je trompais ma femme, je la trompais. Je matais les fesses des femmes, comme toi. Mais quand Jésus a touché mon cœur, je me suis marié à ma femme. Et j'ai qu'une femme. Je n'ai pas 5. Je n'ai pas 10. Parce que Dieu a créé Adam et Ève. Hommes et femmes. Pas 2 hommes. Mes amis, beaucoup vont en faire ici. Beaucoup périront. Rigolez, hein? Là je vais au marché. Mais je t'aime tellement qu'il faut que je te parle. Que si tu meurs dans la masturbation. Ah oui, c'est le péché ça. Tu prends ta femme, ta main droite, et tu te masturbes. C'est le péché. Être raciste, c'est le péché. La Bible dit quoi? De s'aimer les uns les autres. Qui a dit bonjour ici à son voisin? Les gens meurent de faim, qui les aide? Voilà l'état du monde. Le péché. Voilà pourquoi Jésus veut te sauver. Il veut ton âme, il t'aime. Il est mort pour nos péchés en sacrifice. Oh mes amis, pourquoi je prêche Dieu ce matin? Pourquoi? Eh bien, il y a 12 ans en arrière, j'ai failli mourir d'une maladie grave. Qui m'a guéri à votre avis? Qui m'a guéri? Les médecins qui fument la cigarette? Non, c'est Jésus. Il m'a donné la santé et il m'a dit va et ne pèse plus. Voilà pourquoi je ne suis plus menteur. Je ne drague plus les meufs. Fini les boîtes de nuit. Fini le rap. Ces musiques diaboliques qui envoûtent les jeunes. Ben oui, c'est vrai. Oh, Bouba, Bouba, Bouba. Yo, yo, yo. Et vous croyez en Dieu? Vous croyez en quel Dieu ces musiques-là, mes amis? Comment tu peux croire en Dieu et aller souquer? Comment tu peux croire en Dieu et écouter Bouba? Hein? Il y a un problème. Le diable vous domine.
Combien sont religieux ici? Combien religieux? Mais ça fornique, ça dit des gros mots, ça fume, c'est raciste. Mon ami, tu iras en enfer comme ça, mon ami. Voilà pourquoi Jésus t'appelle ce matin à l'invoquer. Dis pas Jésus, parce que beaucoup pensent que Jésus, c'est qu'un prophète. Mon ami, un prophète sans péché? Un prophète qui n'a jamais dit un gros mot? Qui a dit de se mettre les uns les autres? Qui est-il? Il a marqué l'histoire. Mon ami, il revient bientôt. On vit la fin des temps. L'antichrist est devant vos yeux. Son système, il va vous contrôler. Vous voyez pas l'état du monde, les crises, les guerres, le mariage homosexuel, alors que Dieu a créé hommes et femmes, les fesses ont été créées pour faire caca, aller aux toilettes. Voilà ma génération, perverse et corrompue. Mes amis, ce matin, tu m'aimes ou pas, c'est pas grave. Moi, je t'aime. Oh oui. Et ce matin, je t'annonce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, et la vie. Tu veux croire en Dieu? Tu veux aller au paradis? Eh bien, sépare-toi du mal. Sépare-toi des films porno, des avortements, le sexe en mariage. À 12 ans, tu n'es plus vierge. Pourquoi? Parce que tes parents ne t'éduquent pas. Voilà ma génération. Le péché, la sodomie, le viol, les gros mots, le vol. Combien volent ici au marché? Combien volent les commerçants? Combien sont voleurs ici, mes amis? Dieu dit quoi? Tu ne voleras pas. Celui qui vole et qui meurt voleur, il va en enfer. Tu ne tueras pas, il dit. Combien fume ici? Combien fume? Mes amis, ce matin, écoute ce message. Jésus-Christ revient bientôt. C'est l'heure de sauver son âme. Regardez comment les gens meurent. Crise cardiaque. Ton tour arrive. Ton tour arrive. La mort tue tout le monde. Riche et pauvre. Et ce matin, ne meurs pas drogué. Ne meurs pas homosexuel. Ne meurs pas violeur. Ne meurs pas raciste. Ne meurs pas voleur. Ne meurs pas de la fornication. T'as 5 femmes. T'as 10 femmes. C'est quel Dieu qui a créé ça, mes amis? C'est le diable qui vous incite à avoir plusieurs femmes? Comment un homme peut dire à sa femme d'avoir 10 femmes à la maison? Oh chérie, ce soir c'est toi. Demain c'est toi. Demain c'est toi. Mais c'est quel Dieu ça, mes amis? C'est quel Dieu ça, mes amis? Mes amis, le monde va mal. Regardez comment les gens meurent. Regardez les crises, les guerres, les morts par le cancer. Et combien fument encore, mes amis? Combien ce matin fument? Dieu veut te délivrer. Dieu veut te sauver. Le Dieu véritable veut te délivrer du péché. La clope, la cigarette, le péché, la masturbation que vous aimez. C'est le péché. Voilà Jésus qui va faire. Il va te délivrer. Le vol. Combien mettent les frères des femmes ici? Combien draguent les meufs? Combien se droguent? Combien insultent les policiers? Combien insultent leur maman? Combien frappent leurs femmes ici? Combien d'hommes frappent leurs femmes? Il y en a plein ici. Ça frappe leurs femmes. Dieu va te juger, mes amis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il veut te pardonner. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Pour sauver les pécheurs. Repentez-vous de vos péchés. Mais il vient quand Jésus? Eh bien, tous les signes sont là. Regardez, mes amis, comment les gens meurent. Regardez les crises. Regardez les guerres. Regardez la délinquance. Regardez le péché, l'immoralité, le mariage homosexuel. Regardez votre état, les humains. Vous croyez que Dieu aime vos péchés? Vous croyez que Jésus aime vos crimes, vos avortements, vos lesbianismes, vos films porno? Regardez les réseaux sociaux. Sur TikTok, vous êtes toqués. Une génération malade. Ils sont prêts à se tuer pour faire des vues. Sautez en haut, sautez en bas pour faire des vues. Voilà votre état, les humains. Malade. Et Jésus-Christ, il t'aime, Jésus. Voilà pourquoi je prêche. Parce qu'il m'a délivré du péché, la drogue. Il m'a délivré, Jésus. Ah oui? Pourquoi je parle? Pardon. Ce matin, parce que Jésus m'a rendu libre de la drogue. Je suis marié.
à une femme. J'ai un métier. Je suis plus voleur, plus gros mot depuis 10 ans. Pourquoi? Jésus. Oh, mes amis, je n'appartiens à aucune religion. Je n'appartiens à aucune secte. Je prie Dieu tous les jours, matin, midi, soir. Parce que Dieu, il veut parler aux hommes du matin au soir. Pas tu parles à Dieu et après tu couches avec les meufs. Tu couches un petit peu. Oh Dieu, tu sais Dieu, tu couches. Oh Dieu, gros mot. On se moque de qui? Vous irez en enfer comme ça. Rigolez. Rigolez. La mort a tué un chanteur sur scène. Regardez son état. Il est mort sur scène. Si vous mourrez, mes amis, comme lui, dans le péché, votre âme descendra en enfer. Et Jésus veut vous donner la vie éternelle, le pardon de vos péchés. Voilà pourquoi Jésus est mort pour nous. Et il vous aime. Il veut te pardonner tes films porno, hein, tes gros mots, hein, ton fraude. Hein, il y a des fraudeurs ici. Ça fraude. Vous croyez que Dieu est aveugle? Vous croyez que Dieu ne voit pas? Mes amis, avant je tapais la police, moi avant, il y a 10 ans en arrière. Mais quand Jésus a touché mon cœur, il m'a donné l'amour pour les Arabes, l'amour pour les Blancs, l'amour pour son prochain. C'est ça Jésus. Courage. Oh oui, Jésus, il est phénoménal. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. S'il n'a eu ça, oh là 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 là. S'il n'a eu ça, et son vrai nom c'est Yeshua. On ne peut pas changer le nom de Jésus. Il s'appelle Yeshua. Mes amis, Jésus, le véritable Dieu, le véritable délivreur. Comment tu peux prier Dieu et fumer encore? Hein? Comment tu peux prier Dieu et écouter Booba? Hein? Booba, Booba. Hein? Il dit des gros mots tout le temps. Yo, 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 yo. Comment tu peux prier Dieu, le Créateur, et écouter à vous? Hein, mes amis. Venez à Jésus. Jésus est saint. Jésus est sans péché. Venez à lui. Tant que tu vis, madame, c'est possible d'être sauvé. C'est bien le marché. On achète les vêtements. On achète les cafetières. On achète. C'est bien. Mais as-tu pensé à ta mort? As-tu pensé que ton cœur peut s'arrêter ce soir? Hein, mon coco? Écoutez ce message. Où ira ton âme? Si vous mourrez pécheur, si tu meurs voleur, si tu meurs dans les gros mots, si tu meurs dans l'inceste, si tu meurs avec les rapports intimes, en mariage, où ira ton âme? Beaucoup diront à Dieu, oh Dieu, sur la terre, j'aimais les boîtes de nuit. Oh Dieu, sur la terre, j'aimais les meufs. Oh Dieu, j'aimais trapper ma femme. Oh Dieu, j'étais polygame. Oh Dieu, j'ai volé au marché. Pendant que le monsieur regardait là-bas, j'ai volé. Dieu va te juger. Je parlerai, monsieur. Je parlerai. Et je dirai que des bonnes choses. Et je dénoncerai vos œuvres secrètes. Tu trompes ta femme. Tu mates les fesses des femmes. Attention. Dieu dit quoi? Tu ne convoiteras pas. Tu ne voleras pas. Combien ils volent ici là? Ça vole les fils. Ça vole les trains. Ça fraude. Mais vous serez jugés. Alléluia. Alléluia, madame. Vous serez jugés. Combien sont racistes ici? T'aimes pas les Noirs. T'aimes pas les Arabes. T'aimes pas la France. La France qui t'accueille. T'aimes pas la France. Mais mon ami, t'es un ingrat. Ingrat. Voilà ce pays. Voilà mon monde. Hypocrite. Et quand la mort frappe, j'ai comme des hypocrites. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Vous moquez de qui là? Vous moquez de qui là, mes amis? Vous croyez que Dieu est ton copain? Tu vas au concert. Il y a quelques jours, un monsieur meurt sur la scène. Crise cardiaque. Je vois des chanteurs, je prie dire, il faut prier Dieu pour lui. Vous moquez de qui là? T'adores le diable et tu veux que Dieu te sauve? Mais mes amis, on se moque de qui là? Ça fume comme pas possible la cigarette? Hein? Mais vous périrez.
Combien fume ici la clope? Combien fume ici? Ça fume. En fait, t'es possédé par la mort. Combien fume ici? Et ils vont dire que Dieu accepte qu'on fume. Mais on se moque de qui là? Dieu dit tu ne tueras pas. Voilà le message. Voilà le message. Le compas là, musique diabolique ça. Avant j'aimais le compas, je suis antillais. Zouké, zouké, c'est le sexe. Quand tu fais frotter, frotter, c'est le sexe. Ben oui les gars, j'étais dedans. Oh les meufs, avant, on va zouker les meufs. On va kézou. Et tu, mon ami, le péché. Zouké, c'est le sexe. Et des hommes mariés vont en boîte de nuit tous les week-ends. Chérie, je vais en boîte. En gros, chérie, je vais te tromper. Mes amis, venez à Jésus et vous serez sauvés. Vous serez délivrés. Mes amis, Dieu, ce n'est pas l'apparence. Dieu veut ton cœur. Dieu, mes amis, mon ami, quand il voit les hommes avec leur apparence religieuse, Dieu voit tes péchés. Beaucoup prennent soin de l'apparence, mais leur cœur adultère. Leur cœur mensonge. Leur cœur vol. Leur cœur adultère. Leur cœur racisme. Tu sais que les racistes vont pas au ciel? Les racistes n'hériteront pas du paradis? Ben non. Parce que Dieu aime tous les hommes. Africains, blancs, ukrainiens, chinois. Il aime tous les peuples. Si tu es raciste, tu es sur le chemin de l'enfer. Eh ben oui, mon ami. Tu trompes ta femme avec tes yeux, t'es sur le chemin de l'enfer. Ben oui, t'as 10 femmes à la maison, Dieu a créé Adam et Ève, donc t'es mal barré. Et avec un cœur pour aimer, je plains les femmes qui ont 4 femmes à la maison. Et bizarrement, les femmes n'ont pas droit à 4 hommes. C'est bizarre ça. C'est vrai, madame? C'est bizarre. On dit que les hommes peuvent prendre 5 femmes et les femmes interdites de prendre 10 hommes. Ben, il y a justice quelque part. Oh, les femmes, réveillez-vous. Hein. Les femmes, vous êtes précieuses. Dieu t'a pas créé pour te bagarrer avec une femme à la maison. Ton mari, c'est pour toi seul. Je me trompe ou pas? Est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est vrai. La Bible, c'est le livre qui m'a sauvé. J'avais avant plusieurs meufs. Aujourd'hui, une femme. Et mon cas, c'est pour elle. Ah ben oui, pas pour toi. Voilà pourquoi je suis bien habillé. Tu ne verras pas mes biscottos. Non. C'est pour ma femme. Mes amis. Salam alaikum. Je vous aime. Oh, les maghrébins. J'ai un cœur qui est rempli d'amour pour toi. Oh oui. Grâce à Jésus. Voilà pourquoi je t'annonce que le vrai livre, c'est la Bible. Oh mes amis, Dieu ne peut pas donner aux hommes plusieurs livres. On va être confondu. Voilà, écoute-le. Ben oui. Écoute-le. Voilà. C'est ma vérité. Ben oui, avec respect les maghrébins, je t'assure que Dieu ne peut pas donner aux hommes deux livres. Il va nous confondre. Le premier livre, c'est l'Injil. L'évangile de Jésus. Ben oui. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Venez à Jésus et vous aurez le pardon. Tu ne pourras plus dire de gros mots. Je te dis la vérité. À la maison, bonjour papa, bonjour maman, plus de gros mots à la maison. C'est vrai? Jésus est la vérité. Amen. Alléluia. Il faut qu'on puisse s'aimer. Et ce message, c'est pour qu'on puisse s'aimer, qu'on puisse prier Dieu avec notre cœur. Je vous assure, toi et moi, on a le même Dieu. Le même Dieu, toi et moi. On a été créés par le même Sauveur. Dieu a créé les hommes de la poussière. Et Dieu veut que tous les hommes lui le prient pareil. Le cœur, Seigneur, je t'aime. Dans ta chambre. Non, un seul livre. Un seul livre. L'Injil. Mes amis, je vous assure que le diable existe. Le shaitan, le diable, il n'aime pas les hommes. Et il te pousse à fumer. Fumer. Parce qu'il veut que tu meurs du cancer. Mais c'est pas bon, les gars. Voyez, il me dit, il va fumer encore. Mais,
Vous irez en enfer comme ça? Vous irez en enfer? Mes amis, tu vois les fruits, les ananas, les mangues. Qui a créé les mangues là? C'est le Créateur. Je ne suis pas Jésus, mais j'aime Jésus. Et grâce à Jésus, j'aime les Arabes, j'aime les Blancs, j'aime la France qui m'a accueilli. J'aime tout le monde. C'est ça le message de l'évangile. Jésus-Christ, qu'est-ce que tu veux? Tu veux dire quoi? Ah, mais moi je crie. Hein. Vas-y, vas-y, qu'est-ce que tu veux? En fait, tu t'intéresses? Non, là, si je te parle, là, je te parle. Là, je crie parce qu'il faut que tout le monde entende. En fait, il y a 10 ans en arrière, j'ai failli mourir d'une maladie grave. Et j'ai invoqué le Seigneur, il m'a guéri. Il m'a dit, va, ne pêche plus. Il m'a dit, la cigarette, pornographie, bagarre, gros mots. Plus gros mots depuis 10 ans. Parce que c'est comme ça, c'est le feu de Dieu. C'est terrible, mes amis. Bonne journée, monsieur. Jésus vous aime. Priez Jésus. Jésus est le sauveur. Il appelle les hommes à se repentir. Il appelle les hommes à faire la paix avec lui. Faites la paix avec Jésus. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Dieu est vivant et il vous aime. Alléluia. On fait le marché, mais la mort arrive peut-être demain. Il faut se repentir aujourd'hui. Se repentir aujourd'hui. Le salut, c'est aujourd'hui. Ton pardon du péché, c'est aujourd'hui. Parce que Dieu revient. Mes amis, je vous en supplie. Ne mourrez pas fumeur. Non. Ne meurs pas alcoolique. Ne meurs pas dans les gros mots, dans le vol au marché. Hein, tu voles les pommes des fois. Hein, tu voles. C'est pas bon de voler. C'est pas bon? Des fois, le commerçant regarde là-bas, tu voles la prune. Voler, c'est pas bon. Hein? T'as dit quoi? Mes amis, il ne faut pas voler. Il faut respecter les commerçants qui travaillent. Et la Bible dit quoi? L'homme doit manger de la sueur de son front. Va travailler. Arrête le SMIC. Arrête le RSA plutôt. Va travailler. Voilà l'état du monde. On est fainéant. Fainéantise. Et comme on est fainéant, il faut voler. Il faut travailler pour manger. Voilà le message de Dieu. Vous allez réussir. Soyez bénis. Je prie que vous soyez bénis. Que Dieu vous parle dans votre chambre. Oh là là, qu'elle va te parler. Oh chérie, je t'ai trompé. Tu vas tout avouer. Quand Dieu touche ton cœur, tu avoues tout à ta femme. On rigole là les gars. On rigole, c'est la vérité. J'étais comme ça avant. Ma femme peut fouiller dans mon portable. Je ne casse plus rien. J'ai plus de Béatrice là-bas, c'est fini. Jusqu'à la mort. Alléluia. Mes amis, vous rigolez, hein? Vous rigolez, hein? Mais c'est la vérité, les gars. C'est la vérité. En tout cas, bonne journée, je vous aime. Voilà, je n'ai rien contre vous. Réussissez dans votre vie. Ayez la santé. Ne fumez plus. Voilà, vivez en paix avec vos femmes. Enfin, vos femmes au singulier. Hey, les gars, c'est chaud. Dieu là, j'ai trompé ma femme. C'est terrible ça, les gars. Je te dis la vérité. Voilà pourquoi je vous avertis. Alléluia. Hein? Ouais. Non, c'est pas la vie, c'est le péché ça. C'est le diable qui fait ça. Allez, bonne journée tout le monde. Et le mafé, c'est où le mafé? Si vous venez sur le mafé, c'est où? Le mafé là, c'est où? On voit le mafé où ici là? Non, le vrai. Bonne journée. Au revoir. Non, je dis que je dis alléluia à ton témoignage parce que de nos jours, les jeunes ne parlent pas de Dieu. Donc c'est formidable de ne pas avoir honte. Le Seigneur nous dit de ne pas avoir honte de son évangile, car c'est la puissance de Dieu à tous ceux qui croient. Donc continue à faire ton travail. Dieu te bénira. Alléluia. Alléluia, madame. Ma soeur plutôt. On est là. Alléluia. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Amen, amen, amen. Le nom de l'Éternel soit glorifié en ce matin. Amen, amen, voilà, madame. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup hein, qui prêtent ça. Ouais, je te dis ça. Pas évident. Non. Parce qu'il faut. Je ne sais pas. C'est la honte, c'est je ne sais pas quoi. Mais celui qui parle pour l'Éternel, Dieu a promis. Amen. Et sa parole, elle ne retournera pas à lui. Sans effet. Amen, madame. C'est bien ça, que son nom soit glorifié. Amen, ma soeur. Ça me encourage. Amen, amen, amen. Ouais.